Les amis, après le peloton d'exécution et ce fameux tunnel qui amène à la pièce principale de la prison, je vous emmène aujourd'hui, comme je viens de le dire, dans la pièce principale de la prison, où les prisonniers étaient ensuite exécutés au peloton d'exécution. Pour ceux qui n'ont pas vu l'investigation, c'est celle juste avant. Bon visionnage et bonne vidéo. On s'en va à la prison, les amis. T'as ton cadeau, j'ai mon cadeau, je vais rallumer quand même. Ça va. Ah, il vient de se déclencher le cadeau là. Ouais. J'ai entendu. Ouais, j'espère qu'on l'aura entendu après. Il s'est déclenché. Il va avoir drift. Ouais, ouais, il s'est déclenché. Et quand je le secoue, faire voir, il fait rien. Bon, on va laisser encore un très long tunnel, les amis. Vous êtes capable de faire réagir le cadeau? Passez devant nous. Ce qu'on a dans la main. Du coup, une respiration. Les amis, j'entends comme une respiration arriver à l'oreille droite de mes écouteurs. Tout simplement, je pense pas que ce soit ma respiration, car je l'aurais déjà entendu depuis très longtemps, depuis le début de l'enquête, via mon dictaphone. Donc, je mets l'hypothèse, peut-être, que ce n'est pas moi, et peut-être, possiblement, une entité qui nous suit jusqu'à la prison. Du coup, une respiration. Du coup, une respiration. Du coup, une respiration. C'était pas moi. On va voir par la suite. Comme une respiration, j'ai entendu. Ouais. J'aurais bien, si on entend comme ça. Je me retourne toujours, les amis, parce que j'ai un ressenti ici. Encore un autre phénomène troublant, les amis. On est en train de marcher direction la prison. J'entends une voix dans mon dictaphone qui, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. Je dis à mon collègue, arrête-toi. Et je lui dis, j'ai entendu une voix ici. Si ça aurait été lui qui aurait parlé, il me l'aurait dit, c'est moi qui ai parlé. Mais là, il me répond pas. Du coup, est-ce que c'est paranormal ou pas? À vous de juger. Est-ce que j'ai un ressenti ici? Est-ce que j'ai un ressenti ici? Est-ce que j'ai un ressenti ici? Arrête-toi! J'ai entendu une voix d'homme. Vous êtes toujours là? Regardez, il y a des dates, 1918, regardez, il y a des soubassements aussi, là-bas, il y a plein de tunnels ici. Mais on s'en va direction de prison, vous verrez par vous-même. Après les amis, les enquêtes, c'est pas qu'on voit des trucs en direct, on peut, mais c'est beaucoup des rushages quand on déroche nos enquêtes qu'on voit justement s'il y a potentiellement des entités ou pas. Là on s'en va à la prison, prison forte activité paranormale, normalement une prison, hein. Détenu violent peut-être. On va aller voir ça ensemble les amis.
un bon chemin. Ouais, c'est un long tunnel. Vous avez vu comment il est long, le tunnel, toujours le câble allumé. Hein. Ah, j'ai entendu, je sais pas si c'est déclenché. Je crois que c'est encore déclenché le câble. Pas sûr. Mais bon, ça va voir encore ça par la suite. On continue le tunnel. Pouvez-vous faire réagir le K2, s'il vous plaît? On va vous prouver que... C'est très loin. Allez, Sébastien. Et si on éteint les lumières? Ah oui, si on éteint, on va faire voir. Il éteint bien, bien. On voit rien. Hop, j'ai éteint mes lumières. Bon, moi, je suis en nocturne, vous verrez quand même. C'est la caméra... Ah, c'est bon. Je suis en nocturne, moi. Voilà. On voit rien. On voit que dalle, quoi. C'est vraiment... Ah oui, c'est vraiment... On voit presque rien, quoi. On va faire une prison. On s'en va vers une prison. On va voir si on voit quelque chose. Voilà. Alors là, ils ont barricadé ici. Là, c'était une pièce. Tu viens de parler? Ah ouais, j'ai parlé. D'accord. Là, on ne sait pas à quoi servait cette pièce, justement. Ouais. La prison qu'on vous parle, c'est pas encore ici. On va y aller. Putain, regardez comment c'est glauque dans le fond. C'est vraiment glauque. Ah ouais. Bon, on va aller où est-ce qu'il y a une personne qui s'est pendue, logiquement. On va aller voir ça. Hein, ouais. Est-ce que j'ai encore de la batterie, là? Non, t'es dans le rouge. C'est vrai? Ouais. Ouais, t'es dans le rouge. Ouais, je vais la changer quand même, non? Ouais. Ouais. Les amis, on se reprend, on change les batteries et on se reprend tout de suite. Ouh. Allez, c'est parti. Bon, on va allumer devant pour vous voyez un peu, quand même. Allez, c'est parti. C'est que l'or quand même, le tunnel était pas mal aussi. Voilà, bah la prison est juste devant. Hein. Essayez pas de tomber, ouais. On a eu déjà quelques voix tout à l'heure, un parfum de femme. Et on a déjà eu pas mal de choses quand même, et là on a repris. Et là on va direction la prison, c'est juste devant nous la prison. Bon, vous voyez bien qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Hein. Je sais même pas s'il y a des enquêteurs qui sont là. Si, je crois. Si, le poteau, il y a déjà été Joe. Le poteau, Geoffrey, il y a déjà été pour la prison. C'est pour ça que je ne peux pas divulguer les lieux. Hein. C'est une prison. Bon, c'est pas une prison comme vous connaissez maintenant. Hein. C'est une prison banale. Regardez, on a les murs. Ici, de la prison. Et voilà, on y arrive. Il y a encore le panneau par là. Voilà, il y a un panneau par là encore qui dit. On verrait pas bien, mais voilà. Voilà. C'était une prison dans le camp ici. C'est un genre de prison, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Chauve-souris, mais bon, c'est pas grave. Là, nous sommes dans un genre de prison. Et en fait, il y a là-dessus aussi, regardez, je pourrais pas vous faire voir, voilà, des aérations. Esprit pour les prisonniers, ils n'avaient pas d'air, hein, en fait. Et... Il y a un tunnel aussi en dessous, là. Est-ce que ça, c'était le cachot? Parce qu'ils mettaient les gens à l'intérieur, là. Je pourrais pas vous dire. Mais c'est bel et bien une prison, ici. Hein. Bonsoir. Il y a deux entrées en fait ici à la prison. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît? Ouais, je vais allumer le cadeau aussi. Je vais essayer de faire des tests. Vous allez voir ça. Je vais allumer le cadeau, je vais mettre au bord du trou. Voilà.
Alors ici, pareil, je vais vous allumer une petite bougie pour les prisonniers ici qui ont été enfermés et qui ont été peut-être maltraités pendant la guerre. Et pourquoi pas, on va jouer aux cartes ensemble. Oui, je dis bien, on va jouer aux cartes avec les entités. Et quand je dis jouer aux cartes, justement, j'ai ramené un jeu de cartes aussi pour vous. Enfin, vous savez, je fais des expériences aussi. Je vous ai ramené un petit jeu de cartes et une petite bougie pour vous, que je vais allumer d'ailleurs. Je vais allumer. Je vais vous faire réagir le cadeau, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ici que vous êtes pendu? Ah oui. Attends, il faut qu'on réexplique. Parce qu'on a eu un témoignage tout à l'heure d'un couple qui nous ont dit que une personne s'est pendue. Ici, en fait, il y a des aérations et tout en haut, en fait, elle s'est jetée, la personne, je crois. Avec un bout de bâton qu'elle avait coincé. On n'a pas bien compris. J'ai demandé s'ils veulent être bien filmés, ils n'ont pas voulu. Bon, j'ai respecté leur choix, mais bon. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu dans cette prison? Pouvez-vous faire réagir le K2? Le petit boîtier noir que vous voyez que je tiens dans mes mains, qu'il y en a un par terre, à côté de la bougie. Voilà, exactement. J'ai même une petite lampe pour vous d'ailleurs. Vous pouvez éteindre si vous voulez. Et je vous la pose. Ici. Voilà. Ne souhaitez pas rentrer en contact avec nous. On n'est pas là pour vous faire du mal. Loin de là. Nous sommes là pour rentrer en contact avec vous, justement. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous dit de jouer aux cartes avec nous? Oui ou non? Faites réagir le K2, s'il vous plaît. Pour avoir vite. Voyez, on dirait que quelqu'un crie, en fait, c'est un animal. Est-ce qu'il y a eu vraiment le décès ou c'était une légende? Est-ce que vous êtes vraiment ici suicidé ou est-ce que c'est une légende? Si oui, faites un bruit de cailloux dans le mur, où vous voulez. Je vous permets de me griffer, de me taper. Je vous ai ramené une bougie quand même, hein. Malgré ça. Est-ce que c'est bien ici que vous êtes suicidé? Et pour quelle raison? Il fait chaud aussi. Ouais, d'un seul coup, il est chaud. On va prendre la température. Je vais encore faire ma boxe ch'ti, hein. Je vais encore vous embêter avec la fumée, quoi. Hein. On va reprendre la température parce qu'il fait super lourd d'un seul coup. Super chaud. On est à 12. Même moi, je le ressens. 11, 9. 12. On a 12 degrés ici, à peu près. 11, 9, 12. Voilà. Alors, je vais sortir le jeu de cartes pour après. On va faire une petite session de Spirit Box pour entrer en contact avec vous. Et avant cela, je vais prendre quelques photos que j'appelle ça la photo ch'ti. Avec la cigarette électronique. N'ayez pas peur. Alors, vous avez dû connaître, non, pas la cigarette électronique, mais la cigarette, ça c'est une certitude. Voilà. Alors, je vais prendre 4 photos, 4 coins différents de la pièce. Et justement, vous allez vous manifester à travers la fumée. D'accord? Je vais baisser mon spot pour avoir le moins de lumière possible. C'est parti.
Photo 1. Attendez. Photo 1. La prison. C'est parti. Hop. Voilà. C'est parti. Alors, c'est parti. Photo 1. La prison. Photo 1. Manifestez-vous dans la vapeur de cette fumée. Merci. Photo 2. Manifestez-vous à côté de mon collègue. Merci. Okay. Photo 3. Merci. Et encore une photo vers la sortie là-bas. Photo 4. Merci bien. 4 photos réalisées dans la prison. Merci. Alors, je vous ai ramené, on va bientôt partir, on va pas rester ici pendant 107 ans. Alors, s'il y a quelqu'un, manifestez-vous, pas méchamment, mais manifestez-vous. Un caillou, lancez un caillou, tapez sur une brique, marchez par terre. Oui, par terre, marchez. Faites un bruit. T'as entendu ? T'as entendu ? T'as entendu ? Non. Après. Si c'était vous, merci. On ne va pas rester très longtemps, d'accord ? Est-ce que ça vous a pas plu que les Néo-Zélandais ont conquéri votre terrain ? Je pense que ça vous parle. Ah oui. Qu'à ceux qui vous ont attaqué, non ? Ils vous ont attaqué, oui. Est-ce que ça vous a plu ? Vous faire attaquer comme ça. Vous avez dû perdre beaucoup d'hommes pour cette guerre. C'est clair. C'est toi qui vas le faire. Ouais. D'accord. Vous savez, nous n'allons pas rester très longtemps, hein. Je vous le dis. Ça serait dommage. Faites réagir le K2, s'il vous plaît. Allez-y, n'hésitez pas. Bon, la personne, apparemment, qui serait pendue ici. Est-ce que c'est vrai ? Intercède. Écoute. Recommencez pour voir si c'était vous. Non, pas le bruit de chouette, pas toi la chouette, mais éteignez la bougie, on a écarté la bougie. Éteignez la bougie ou éteignez la lumière. Bon, ça va être simple. Est-ce que vous voulez jouer aux cartes avec nous ? Ouais, je vois. Merci, éteignez-la s'il vous plaît. Si vous arrivez à l'éteindre, on aura compris. Éteignez-la, s'il vous plaît, la bougie. Pouvez-vous faire vaciller la bougie ? La faire vaciller à gauche ? Photo. Hop. J'ai oublié, putain. J'avais pris mon détecteur, j'ai oublié de le mettre. Détecteur. Bah ouais. J'en ai pensé seulement. Putain.
Alors ça va être plus simple. S'il y a des prisonniers ici avec nous, vous pouvez rentrer par la porte que j'ai devant moi. Allez-y. Bon ben, attention, je vais tenter une nouvelle expérience. T'as entendu là ? Grognement, un truc comme ça ? Ouais. Attention, je vais tenter une nouvelle expérience. T'as entendu là ? Grognement, un truc comme ça ? Ouais. Est-ce que vous êtes arrivé avec nous enfin ? Il y a un genre de grognement, mais bon, il n'y a pas de bête ici. D'accord. Ça vous plaît pas ? Je suis le nouveau gardien de cette prison. Je demanderai aux détenus qui se trouvent devant la porte d'avancer en ligne à la queue-leu-leu. En ligne, en file indienne. Prisonnier 1, avancez. Avancez. Est-ce que vous êtes prêt à jouer aux cartes avec nous ? Est-ce que vous voulez jouer aux cartes avec nous ? S'il vous plaît. Pour des détenus, vous n'êtes pas bavard. Ah oui. Vous voulez jouer aux cartes avec nous ou pas ? Avancez. Vous voulez jouer avec les Néo-Zélandais ? Ils sont peut-être un peu plus sociables. Avancez. Devant cette porte. D'accord. C'est dommage, hein ? Très dommage. Vous avez peur ? On va se retourner pour pas vous arriver vers la porte. Arrivez vers la porte quand vous voulez. On s'est écarté. Vous arrivez maintenant vers la porte, là-bas, qui est la porte d'entrée, je pense, là-bas dans le fond. Vous pouvez arriver par cette porte, en file indienne, maintenant. On va l'entendre si vous... Il y a un truc qui vient de passer juste devant. Ouais. Toi aussi ? Non, je peux bien. Je te demande si... Non, c'est pas un insecte, justement, comme un genre de fumée, mais je fume plus, là. Passez devant la porte, ça va s'enclencher, le détecteur. Vous répétez après moi. Vous allez finir une phrase après moi. Ah, une phrase, non. Les Néo-Zélandais étaient meilleurs que vous ? Des toquements comme les prisonniers faisaient dans le temps. Vous allez finir après moi. On recommence encore un coup. D'accord. Vous n'aurez plus l'occasion après de rentrer en contact avec qui que ce soit, hein, pour l'instant, hein, je pense. Hein. C'est pas grave, on va avoir les Néo-Zélandais. Voilà. Ils vont nous parler. Eux, ils vont nous parler, ils nous l'ont dit. D'accord. Vous avez peur ? On essaie le spirit box ?
Le gars s'est suicidé là, alors. Est-ce que c'est vous qu'on vient d'entendre? C'est ici quand je vise le bas? Ça vous plaît pas? Je pense que ça ne lui plaît pas. Hein. Bon, bah d'accord. On va faire un petit jeu alors. Vu que vous êtes quand même prisonnier, j'ai un jeu de cartes sur moi. Je vais prendre des cartes sur moi. La même expérience où j'ai été greffé d'ailleurs. Bon. C'est pas grave. On va faire la même expérience. Mais vous étiez prisonnier. Vous êtes bon. Au jeu de cartes, oui. Au jeu de cartes. Vu qu'en prison, on n'a pas grand-chose à faire, surtout dans le temps. Maintenant, on a Internet tout partout. J'allais te revoir, je te jure un truc. Ouais. Ah ouais, quand j'ai mis ma lumière parlant en fait. Vous jouez avec nous? D'accord. Bon, il y a un jeu de cartes, mais c'est un tarot aussi. Hein. Je vais provoquer pour... C'est bien reprendre ici. La personne qui s'est pendue ici, je parle à l'homme qui s'est perdu ici, s'est pendue plutôt, pardon. Je pense que c'était l'âge de votre part. Vous avez une famille, vous l'avez laissé tout seul. C'est dommage. Vous êtes sûrement prisonnier ici maintenant. Vous pensiez être tranquille. Si vous n'êtes pas content, jetez un caillou. Ou tapez dans un mur. Bon, on va pas rester plus longtemps, on va faire une petite session avec vous aux cartes parce qu'on vous apprécie quand même, malgré que vous ne nous avez pas répondu. Hein. C'est parti. Alors, je vais vous faire voir, avant qu'on lance, je vais vous faire voir quelque chose. Alors, je vais tenir des cartes dans une main. Et d'autres cartes dans l'autre main. Je vais vous faire voir les cartes que je veux que vous me dites. D'accord? Si vous êtes bien sûr ici. Hein. D'abord, on va essayer déjà de rentrer en contact si vous êtes ici. C'est parti, vas-y. Vous pouvez interférer avec cette radio. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes l'homme? C'est pendu ici? Quel homme, bordel? On sait pas, vous êtes sort. Est-ce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui s'est pendu ici? Oui ou non? Oui. Est-ce que vous voulez jouer aux cartes avec nous? Partez, j'ai entendu. Est-ce que l'homme qui nous dit partez depuis tout à l'heure, est-ce que c'est vous qui vous êtes pendu? Oui.
Partez, encore un coup. Vous voulez qu'on parte d'ici? Oui, oh, j'entends bien. Est-ce que vous voulez jouer aux cartes avec nous avant qu'on parte? Ouais, on joue. Ouais, j'ai bien entendu. Ouais, on joue. D'accord, vous voulez jouer avec moi alors? Ok, d'accord. Ok, j'ai bien compris alors. Ok, bon. Ça va être tout simple. Alors, je vais vous faire voir des cartes, et si vous êtes bien avec nous, pour vous récompenser que vous êtes avec nous, je vous ferai voir quelle carte j'ai dans la main. Et vous me direz laquelle j'ai. Mais dans la main, là, hein, dans la main droite. C'est parti, je vais trier le jeu de cartes pour vous, d'accord? Je trie le jeu de cartes. Ouais. Ok, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Bon, je n'ai pas entendu oui, mais je pense que vous devez me dire, je me prends pour un con, je vais dire j'étais prêt. D'accord. Alors, quelle carte j'ai dans cette main-là? Non, ce n'est pas un as. Regardez bien. Si vous la trouvez, je changerai de carte. Deux. Ouais, j'ai entendu deux aussi. Merci. Merci. Alors là, c'est une carte de tarot, mais dites-moi le chiffre que vous voyez. C'est un 11. Ah ouais, alors, j'ai entendu, c'est un 11. Ok, merci. On continue. C'est un 11, j'ai trop bien entendu. Maintenant, cette carte ici. J'ai entendu 9 d'une femme. Répétez, monsieur, c'est pas la dame que je parle, c'est au monsieur. C'est quel chiffre que vous voyez dans ma main? Comment ça s'appelle-t-il, s'il vous plaît? Oh, ça change d'atmosphère, mon gars. Faire un truc. On va le relancer, on va encore jouer avec vous. Hein. Il n'y a plus de bois, là. Allez, il n'y a plus de bois du tout, les amis. Bizarre. C'est comme tout à l'heure. On a entendu un gros... Putain, il y a une voix là juste quand t'as allumé, c'était oh. Derrière moi. Ouais. À mort. Bizarre. C'est comme tout à l'heure. On a entendu un gros. Putain, il y a une voix là juste quand t'as allumé, c'était oh. Derrière moi. Ouais. À mort. Sautez, tu verras dans l'enquête. Est-ce que c'est vous qui avez fait oh, derrière moi? C'est moi. Ah, j'ai entendu, hein. J'ai entendu. Ouais. Putain, ça m'a fait sursauter, je croyais que c'était toi, et non. C'est quand t'as allumé que ça fait... Ouais. D'accord, vous m'avez fait peur quand même, hein. Bien sûr, c'est moi. Alors, j'ai encore la carte, hein. Quelle carte vous voyez? Mais c'est ça qui parle. Bon, ben d'accord, madame. Vous avez gagné, madame. Alors, là, on va partir pour une carte de tarot. Là, cette carte-là. Très simple. Non.
La tarte, madame. Tu dois faire attention à ce que ça. On doit faire attention à qui? Mais plutôt, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci, monsieur, qui joue aux cartes avec moi, de me méfier de quelqu'un. Je le ressens comme ça. Est-ce que la personne, elle est malsain? Voilà. Elle est où, la voilà? Elle est où? Elle est ici avec nous? Non. Elle va arriver? Là. Elle est où là? On la voit pas. Vous la voyez? Non, non, on la voit pas. Elle est où? C'est elle, le mec qui joue aux cartes avec nous. Ah. Il est en train de nous prévenir. Merci monsieur. C'est bien celui qui parle avec moi aux cartes qui est en train de me parler. Lui est toujours là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint ici, qui n'est pas le monsieur qui joue aux cartes avec nous? Dealer. Dealer, mais dites-nous quoi, dealer? Ils veulent nous dire quelque chose, mais quelqu'un qui leur empêche, qui les empêche de nous le dire. Qui vous empêche de parler? Dealer, on est là pour écouter justement. J'ai pas entendu. Fais-le, mais. Faire quoi? C'est les nuits, j'ai entendu. Quelqu'un nous a rejoint ici? Si c'est la femme qui fait peur aux entités, passez devant cette porte et faites réagir. Ou si c'est un homme qui fait peur, passez devant la porte là-bas d'entrée, si vous osez. Il n'y a plus de pile? On va finir ici. Merci. Je sais pas si on finit là. Ouais, là-bas, quoi, ouais. Voilà. Alors, merci, monsieur, pour cette expérience avec vous, enrichissante quand même, avec les cartes, quand même. Faut le dire. La bougie qu'on a allumée était pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette bougie. Surtout, restez ici, comme d'habitude. Ne nous suivez pas. Ne suivez pas, vous. Comme d'habitude. Ça vous servira à rien, surtout. Ce ne sera pas bon pour vous et pour nous. Ils n'ont pas le droit de nous suivre de toute façon. D'accord. En tout cas, merci à ceux qui ont voulu rentrer en contact avec nous. Voilà. Et très reconnaissant. J'espère que vous aurez la paix. Ça, c'est moi, les amis. La paix quand même. C'est toi qui vas me dire non? Détecteur de mouvement. Je croyais que j'ai entendu non. Bah, peut-être c'est même pas toi, peut-être. Hein. Voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir entré en contact avec nous. Si vous l'avez fait, bien sûr, mais je pense. Je pense qu'ils l'ont fait, moi, je dis. Hein. Moi, je dis que oui. Hein. Voilà les amis. Attends, on va finir après, on va dire au revoir. Eh bien quand même, je trouve. Bon, on a eu quand même des résultats, moi je trouve, tu verras qu'on va écouter. Moi je crois qu'on en a eu quand même. Ouais, il faudra bien écouter les résultats qu'on a eu, mais je pense qu'on en a eu quand même pas mal.
Après, bon, bien sûr, on n'a pas vu de trucs se former devant nous. On n'a pas vu non plus de... Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Voilà pourquoi ne pas croire tout ce que vous voyez sur le net, les amis. Je le redis encore, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur YouTube. Ça, je me battrai jusqu'au bout pour le dire. Laissez-moi, doutez de moi si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais ça veut dire que moi, il n'y a pas de manifestation de fou. Hein. J'ai dû être griffé une fois justement quand j'en avais parlé. Une semaine après, j'avais été griffé, mais bon. Pourquoi pas. Ils peuvent nous entendre justement, peut-être nous suivre, on ne sait pas encore. On n'a rien oublié ? Non. Bon, bah, j'ai essayé de filmer Mouche que là-bas, hein, tant qu'on dit au revoir tout ça. Être oublié, t'es sûr, on n'a rien oublié, hein ? Non. Ok, d'accord, d'accord. Merci. Merci, restez ici dans la prison. Merci de pas nous suivre. Vous trouverez la lumière un jour, je pense que c'est même sûr et certain. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci beaucoup. Je sais même pas par où on va, là. Tout droit ? Ok. Alors, on a fait encore 35 minutes ici. Combien ? Hein ? On a fait 36 minutes ici, hein. Nous partons faire un petit live en roquette aussi. Juste... On a eu quelques résultats. Ouais, on a eu quand même quelques résultats, je pense, aussi. Ouais, ouais, on a eu quand même pas mal de résultats, je pense. Non, on va réécouter tout ça. Tu t'en rappelles plus, je te l'avais dit. C'est pas par là ? Si, c'est par là, puis on tourne là. Ouais. Voilà. On a eu quand même pas mal de résultats, je pense. Là, ça sera à voir aux analyses, comme d'habitude. On a eu pas mal de résultats. Voilà, l'heure des rushs. Voilà, l'heure des rushs. Tu feras tout ça comme il faut. Non, c'est pas ici, ici. Il y a encore des tunnels, là. Regarde, on passe encore sous un tunnel. Voilà, regardez-moi ça. Hop là, allez, encore un nouveau tunnel. Allez, on passe, on bosse moins grand ici. Voilà. C'est pas ici, c'est vrai. Ça, c'est vachement. On fait comme de l'urbex, hein, ici. Après, c'est où déjà ? Attends. Ça. Je crois que c'est pas ici, hein. Ah, c'est pas par ici, par ici. Ah, c'est là. Regardez-moi ça. On va se laisser ici. Voilà, sur cette belle statue là-bas. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà les potos et potasses. Ici se termine l'exploration de nuit. Dans une prison et un peloton d'exécution, abonne-toi sur la chaîne Tracker de Fantôme Ch'ti, ici. Mets-moi un gros pouce bleu et on se retrouve à la prochaine pour des futurs tracks de taré, poto. Allez, je te dis ciao, peace, portez-vous bien, vous et votre famille. Ciao les potos, allez, peace, ciao!